Coucou les filles, donc me voilà pour une petite tenue du jour et coiffure du jour. Donc pour celles qui ont regardé mon haul, donc la vidéo précédente, je vous ai montré donc le nouveau lisseur que j'ai acheté chez Sephora. Et donc du coup, aujourd'hui je me suis essayée aux boucles. Donc là, me demandez pas tout de suite de faire un tuto pour expliquer parce que là je commence tout juste à apprendre à maîtriser la bête. Donc voilà ce que ça donne. Moi je suis plutôt satisfaite. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je trouve ça plutôt sympa, je trouve que ça change. Voilà, c'est je sais pas si on voit bien, si avec la lumière c'est là je pense qu'on voit un peu mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou si vous trouvez que ça me va pas. Moi je trouve ça vachement sympa. Du coup je pense que sur mes cheveux ça tiendra relativement bien. Parce que moi j'ai les cheveux souples, donc voilà, ça m'enlève pas trop de longueur, ça va. Puis bah du coup ça me donne du corps aux cheveux quoi. Donc ouais, juste attaché sur le côté avec une petite barrette ici, voilà. Surtout que là j'ai pas lavé mes cheveux, j'avais la flemme de les laver aujourd'hui, donc bon, ça ressemblait plus à rien quand ils étaient raides. Alors je me dis tiens, je vais essayer de les boucler, et puis bah du coup ça y fait. Donc on commence, petit make-up du jour, donc je pense que vous allez encore rien voir comme d'habitude, parce qu'à chaque fois que je vous présente des make-up, on voit rien. Donc voilà, j'ai utilisé un color infaillible de chez L'Oréal sur toute la paupière mobile, et un crayon, un color machin chose de chez Kiko pour le creux. J'adore ces crayons, je trouve qu'ils sont hyper faciles à utiliser, à estomper. Et un trait d'eyeliner avec le liner marron de chez Essence pour que ça reste voilà, dans des teintes un peu neutres, nude. Sur les lèvres, j'ai rien mis. Fond de teint comme d'habitude. Le même vernis à ongles qu'hier, hein, de chez Sephora. Même bague que d'habitude ici. Et celle-ci, j'ai mis une bague un peu style steampunk que j'avais acheté il y a plusieurs fois. Peut-être 2 ans au moins, chez Claire's. Donc comme quoi on peut trouver des trucs hyper sympas. Et j'avais acheté des boucles d'oreilles qui allaient avec aussi dans le style steampunk. Donc pour le haut, alors c'est une tenue hyper simple, hein. Hop, donc pour le haut j'ai mis un petit pull noir, enfin deux même, parce que du coup en dessous j'ai mis un autre pull noir avec un col un peu rond. Et en dessous j'ai mis un débardeur parce que il fait froid. Donc voilà, on met les couches, mais des couches relativement quand même épaisses pour pas, voilà, ne plus pouvoir bouger. Donc voilà. Et par le bas, j'ai mis un vieux pantalon, mais que je surkiffe. J'avais acheté quand j'étais allée en Belgique pour la première fois, je devais peut-être avoir 18 ans. Donc c'est vraiment en plus un taille basse, donc j'aime vraiment beaucoup, et je trouve qu'il fait quand même de jolies fesses. Voilà, il y a 2 petites poches, mais je crois que c'est, enfin, c'est des fausses. Voilà, c'est vraiment un pantalon large que j'ai, voilà, je vous dis, depuis mes 18 ans, avec des grosses poches sur le côté, qui s'évasent vachement bien sur le bas, et ça j'adore. Sauf que je l'ai fait reprendre par une nana que j'avais rencontrée. C'est ce genre au pantalon, j'avais, ouais, sans mentir, au moins ça de trop, hein. Donc je sais pas, sur les Belges, je sais pas comment ils mesurent leurs pantalons. Hein. Mais quand je l'avais acheté, j'avais au moins 15 bons centimètres en trop. Donc là, vous voyez, ça va pile poil. Hein. J'aime bien, il tombe super bien. Par le bas, j'ai mis mes Vans, que je surkiffe, que j'ai depuis plusieurs années aussi, qui sont complètement défoncés à l'intérieur au niveau du talon. Mais c'est pas grave, je les surkiffe. Surtout que des chaussures comme ça, Vans, on n'en trouve plus. Donc ça me dégoûte parce que je pourrais pas en racheter et ça me fait chier, donc du coup je garde celle-ci. Oui, je suis vulgaire parce que ça m'emmerde qu'il n'y ait plus de Vans. Moi j'ai pas envie d'avoir des Vans normales comme tout le monde, j'aime les Vans skate. Donc voilà. Donc voilà les filles, donc pour la tenue du jour, vraiment très très simple. Je sais pas si je vais sortir aujourd'hui, je sais pas si j'ai le courage ou pas, on verra. Il fait relativement beau, il y a beaucoup de nuages, mais bon. Voilà les filles, c'est tout ce que j'ai à vous dire, il me semble. Et puis bah moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, et bye bye les filles.